Dernier dossier que nous ouvrirons aujourd'hui, celui de la peine de mort, car l'élection d'un président socialiste change bien des choses en la matière. Réécoutez tout d'abord sa position telle qu'il l'exprimait dans Cartes sur table. Dans ma conscience profonde, qui rejoint celle des églises, l'église catholique, les églises réformées, la religion juive, la totalité des grandes associations humanitaires, internationales et nationales, dans ma conscience, dans le fort de ma conscience, je suis contre la peine de mort. Et je n'ai pas besoin de lire les sondages qui disent le contraire. Une opinion majoritaire est pour la peine de mort. Eh bien moi, je suis candidat à la présidence de la République et je demande une majorité de suffrage aux Français, mais je ne la demande pas dans le secret de ma pensée. Je dis ce que je pense, ce à quoi j'adhère, ce à quoi je crois, ce à quoi se rattachent mes adhésions spirituelles, ma croyance, mon souci de la civilisation. Je ne suis pas favorable à la peine de mort. Une prise de position sans ambiguïté qui a pour première conséquence une quasi-certitude pour Philippe Maurice et les quatre autres condamnés à mort dans les prisons françaises, pas d'exécution, et cela concerne essentiellement Philippe Maurice puisqu'il n'avait lui aucun autre recours possible que la grâce. Paul Lefebvre.